Et maintenant, ça va? Oui, maintenant ça va. Okay. Vous pouvez regarder la photo là? Je vous montre la photo de mon groupe. Alors, parlez, parlez librement. Expliquez-moi ce que vous aimeriez faire, ok? Je vous écoute. Regardez la photo là de mon groupe. Benny. Mm-hmm. Ok. Annie Belli, elle voudrait chanter une chanson de le film de Disney, je pense que vous le connaissez, qui s'appelle Frozen. Oui. Oui, 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 très belle, très belle. Mais... Libérée, délivrée? Je pense que c'est oui, c'est ça, les, oui, les chansons. Et elle a envoyé deux chansons. Mm-hmm. La Reine des Neiges. Ah oui. Et aussi Libérée, de... oui. L'autre oui, mais est-ce que c'est un chant de Noël, ça? Je ne sais pas, mais c'était trop difficile. Oui, mais c'est une bonne idée parce qu'Annie Belli associe oui, la Reine des Neiges à l'hiver. C'est pour ça qu'Annie Belli vous propose ça. Mais est-ce que Disney, c'est français Disney ou américain? Américain. Parce que j'utilise beaucoup Disney pour apprendre parce que je prends la chanson La Reine des Neiges, Libérée, délivrée, Let It Go, et je compare les traductions et les techniques parce que j'aime bien la traductologie. Mais est-ce que ce serait convenable d'écouter, de chanter un chant Disney? Moi, je pourrais le faire, mais pas pour la fête de Noël. Ce serait mieux un bilancico, un chant de Noël. Donc, oui, après, on a décidé de chanter Vive le vent. Et vous savez expliquer à Annie Belli pourquoi ce n'était pertinent, ce n'était pas pertinent de chanter les oui, livrets. Paola a donné un bon raison. Mais moi, je chante, cette chanson, je la chante en suédois et en danois. Et en norvégien, parce que la Reine des Neiges est une fable de l'Escandinavie, de l'Europe du Nord, le Danemark. Donc, il paraît que ce conte a existé et ça vient du Nord. Allez, continuez. Quoi d'autre? Ok. Non, 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 c'est bon. Et après, on a décidé de faire la pancarte et... Je sais que peut-être on ne sera suffisant personne, mais et quelques personnes pour avoir du lettres pour et compléter les phrases. Regardez Marlène. Marlène, elle a eu le E et le E tréma pour Joyeux Noël. Vous voyez oui, la photo là? Et le J n'est pas venu. Il y avait une coupure d'électricité. Et cette fille-là, très sympathique, qui s'appelle Émeraude, Esmeralda, elle a fait non, j'ai fait le J comme ça. On a trouvé une solution. Je pense que la photo, elle est magnifique. Hein? La coordination qu'ils ont, on oublie la chanson, mais la photo est formidable. Alors, qu'est-ce que vous allez former? Quelle phrase? Professeur, donne-moi 5 minutes, il y a une emergency. Oui. Une urgence. Une urgence, d'accord, d'accord, vas-y. C'est un quemando de la habituelle. Oui? Nous n'avons pas décidé quelle phrase. Vous allez les faire pendant la semaine? Oui, 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 on va le faire. Alors, nous sommes combien? Je pense que nous sommes 14 ou 13 ou 12. Quelque chose comme ça, oui, oui. Je pense. Regardez, on a trouvé une solution. Est-ce que quelqu'un pourrait s'occuper de la photo? Qui connaît les logiciels Photoshop, machin, pour l'éditer, pour l'édition et faire un collage? J'ai une amie qui peut le faire, bon, enfin, une personne que je connais, mais si on fait toute la photo ici, entre nous, ce serait mieux, hein? Est-ce que vous seriez prêt à me donner l'autorisation de partager cette photo dans les réseaux sociaux de l'Alliance française? Vous me dites, moi, Nicole Cruz, résident à Santiago, je donne l'autorisation pour que l'Alliance utilise la photo à des fins publicitaires. OK, on va parler de ça. C'est très délicat. Et puis, quoi d'autre? Les filles ont dit de regarder un film, mais c'est seulement une heure. Mais on peut le faire parce que vous avez dit que c'est de midi à 13h. Non, mais écoute, on peut nous donner rendez-vous pendant les vacances de Noël et regarder un film ensemble. Ou vous pouvez le regarder à la maison, si vous voulez. Si. Et après, on peut... Mais un film ensemble, c'est bien. Alors, on pourrait les retransmettre sur Twitch ou sur une autre plateforme. On trouvera une solution technique. Mais ça, c'est une bonne idée. Et vous voyez TV5 Monde? Est-ce qu'il y a des films de Noël sur TV5? Regardez. Je ne sais pas, mais j'imagine. On peut choisir un film de TV5. Regardez là. Je vais partager. Dites-moi si vous voyez quelque chose. Ça va?
Oui. Alors, je vais les régler en français parce que je n'aime pas. Voilà, alors français, voilà. Et regardons les catalogues. Les catalogues. On regardait un film parce qu'une série, c'est difficile, une série. Mais les films, regardez les catalogues, tout ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on écoute? Divertissement, mémoire, série et film, d'accord. Regardez les catalogues. Comédie dramatique, ce n'est pas la même chose que drame comique. La comédie dramatique et les drames comiques, ce n'est pas la même chose. Drame, comédie, policier et suspense. On a étudié ça, les polars. Ça serait bien. Regardez les commissaires Maigret quelque part. L'histoire, V comme vient, Clémenceau, Suzy, ça, la Pompadour, hein, Marquise et Pompadour, ça, je vais les regarder ce soir. Sinon, fantastique. Moi, j'aime bien la fantasy. Et pour Noël, fantasy. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez regarder? Un film de Noël en français? Connaissez-vous les films Les Pères oui. Noël? Connaissez-vous les films Les Pères Noël est une ordure? Santa es una basura? Le Père Noël est une ordure? C'est, il est fantastique. Alors, cherche ça, Paola. Tout ce qu'on pourrait chercher, Les Pères Noël est une ordure. C'est un film assez vieux, mais il est magnifique de le regarder pour cette saison. Sinon, on pourrait choisir, par exemple, un drame ou, par exemple, une comédie dramatique. Les Héritiers, il y a Le Choix de Myriam. Ma mère s'appelle comme ça, Myriam, Myrim, Le Choix de Myrim. Et sinon, on a La Ballade de Lucie. Amour, qu'est-ce que c'est ça? C'est l'italien, ça. Simone et Théodore, Trop, L'été de Chloé, Bamak, Rouge Capucine, Moussim. Tout ça, c'est gratuit. Regardez comme il y a... Ce n'est pas Netflix, mais c'est bien. Bonhomme de chemin, Blanche. Ah, j'aime bien ça, Blanche. Et Les Filles de Calais aussi. Alors, regardez comme il y a beaucoup de films. Alors, écoutez, clôture, il commence à pleuvoir ici à Santiago. Et je n'ai pas mon parapluie. Allez, aujourd'hui, on a étudié quoi? La leçon numéro 3 de l'unité 4. On a découvert comment prendre des notes de façon efficace et quelles sont les différentes techniques pour la prise des notes. Ça, c'est important pour la vie. Hein? Les conférences, on sait prendre des notes avec la nominalisation, les abréviatures, les symboles, les flèches, machin, pour organiser la pensée. On a aussi découvert un problématique très importante, c'est les rayures des zèbres. Okay? Et puis, on a étudié une autre problématique, le manque d'eau et l'avenir. OK? L'eau, quelle eau pour l'avenir ou quel avenir pour l'eau? Je ne me rappelle plus. Étudier ça à la maison. On a commencé à découvrir la Bibliothèque nationale de France ou la Bibliothèque François Mitterrand. On a visité avec Google Earth la Bibliothèque nationale de France. On a découvert qu'au cahier d'exercice, il y a beaucoup, beaucoup à faire. Donc, organisez votre semaine. C'est à vous de continuer à réfléchir et à avancer en autonomie. L'autonomie, c'est du niveau C1, C2, OK? Et je sais que c'est beaucoup, mais c'est à vous de vous organiser en fonction de votre disponibilité et de vos besoins, de vos faiblesses aussi, mais aussi de vos préférences. Sachez que l'examen, c'est en avril et vous n'étudiez pas pour un examen seulement, vous étudiez pour la vie. Donc, c'est ça. Vous n'avez pas une question, un commentaire, doute? Oui, sur Classroom, quels sont les devoirs qu'on doit faire? Parce que, par exemple, il y a les... exprimer l'ignorance et la connaissance que nous avons oui, envoyé les photos. Et j'ai tout reçu. OK, d'accord. Et il y a un autre qui dit la Saint Nicolas de Perfouté. Il y a un formulaire, on doit compléter ça. Voilà, ça c'est pour le 6 décembre, la Saint Nicolas. J'aimerais bien que vous connaissiez la différence entre les Pères Noël, le 25 décembre, et Saint Nicolas, les 6. OK, et okay. aussi... Et l'autre qui dit Luc Ferry et les transhumanismes. Voilà. Il n'y a pas de formulaire là. Ah, c'est ça, parce que j'aimerais bien que vous regardiez la conférence sur YouTube. Et par exemple, regarde que j'ai mis prendre des notes. Parce que je pense qu'au lieu de prendre des notes sur un document bidon, on pourrait utiliser les transhumanismes comme document pour la prise des notes. Je vais préciser un peu plus ce qu'il faut faire pour que vous preniez des notes et vous m'enverrez par exemple une feuille A4 avec des notes que vous aurez prises à partir de l'écoute de la conférence. Et je verrai si dans cette capture, vous savez utiliser les techniques ou pas. Moi, c'est une catastrophe, la prise de notes. Je me rappelle qu'en France, quand j'étudiais là, à l'université de Caen, en Normandie, j'ai rempli des cahiers et des cahiers parce que je ne connaissais pas les techniques. Et j'ai voyé la française à côté de moi, elle avait trois lignes avec les trois idées principales. Un point, c'est tout. Et moi, j'ai copié tout ce qu'ils disaient, les conférenciers. Et ce n'est pas comme ça. Il y a des techniques. OK? Une autre question?
Non, alors continuez à vous préparer, à avancer, et la fête de Noël, très important. Sinon, je vous dis au revoir, j'ai faim, il faut que je mange quelque chose. Comme on dit en créole haïtien, un grand goût. J'ai grand goût, j'ai un grand goût, ça veut dire j'ai faim. Allez les filles, au revoir, merci d'être venues et à samedi pour de nouvelles aventures. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Au revoir, Arsène. Marie, dis-moi, l'examen d'anglais. Bien, me fue bien. Mais tu as réussi? Passaste siempre, porque es un examen oficial. Sí. Pues mira, vamos a ver si nos juntamos esta semana para otra clase de lo que tú quieras. Y porque el examen del DELF tú lo puedes preparar bien y presentarte en marzo, en abril. Pero ya tú sabes, María, cómo es eso. O, por ejemplo, pasar el B1, si tú quieres tener el B1, y después el B2. Tú te organizas, porque me parece que un B1 es bueno, pero no es el que queremos para ti. Queremos el B2, argumentación. Okay, okay. Y que tú puedas seguir en C1 para perfeccionarte como profe de lenguas, inglés, español, francés. Pero ya tú sabes, María, mucho trabajo. Yesabel también tiene que trabajar mucho. Hola, Yesabel. Pues, una cuestión. Uh-huh. Je pouvais envier mon devoir por email. Oui, c'est possible parce qu'il y a des problèmes sur Google Classroom. Donc, tu peux le faire par mail, Yesabel, oui. Oh, très bien. Bon, c'est bien. Vous pouvez compléter les devoirs et continuer pour le prochain niveau? Bien sûr, Yesabel, parce que je sais que tu t'organises. Donc, tu fais un grand travail. Tu déposes tout, tu me l'envoies par mail et tu pourras continuer, oui, bien sûr, en janvier. Au merci niveau, pour ça, au niveau, pardon. Non, ça va, je sais que c'est compliqué quand on est médecin. Oui, bon, c'est fini. D'accord, ça va, t'inquiète. Merci, au revoir, bon week-end. Alors, Maria, et là, où tu habites, tout va bien? Il pleut? Prof, pero la... Los ejercicios no abren de la de plataforma. Porque hay algunos que hay problemas en la plataforma, no con la apertura, tal vez puede haber un problema de mi parte, de yo no haber anexado, pero los muchachos me dicen que tienen problemas con mandar documentos. Sí, para enviar. Hay lo deja ahí en, como en stand-by, que no se envió. ¿Tú te acuerdas que se dejaba antes? Pero ahora, desde hace una semana, todo el mundo me lo dice, en todas las clases, que hay problemas con Google Classroom. Y María, excepcionalmente, por mail, por email, me lo puedes enviar. ¿De acuerdo? Yo se lo mandé. Sí, yo lo recibí también. Lo recibí todo. Yo voy a procesar todo eso y corregirlo este fin de semana para que tengan su respuesta la semana que viene. Porque ustedes hacen su trabajo, pero yo también. Porque si no corrijo eso, no van a poder seguir avanzando. ¿De acuerdo? Pero muy bien, María. Sigue así, pero sabes que tu gran trabajo es la producción oral y la escrita. En comprensión tú estás súper bien, tú comprendes mucho el escrito, el oral te maneja muy bien, pero la producción, hablar y escribir, más hablar que escribir, porque tú escribes bien, pero hablar es lo que tienes que preparar para el B1. Si te sientes preparada, María, en abril tomas tu B1, pero trata de pasarlo con buena nota, 70 o 80, de preferencia 80 en adelante, y luego el B2 tú lo dejas para septiembre. No significa que tú vas a inscribirte y pagar dinero. Tú puedes hacerlo en tu casa sola para avanzar. Yo te puedo ayudar para crear material para el canal. Pero organízate tú, porque tal vez no estés lista para el B1 en abril, sino para junio, porque lo importante es un examen bien con una buena nota, porque la nota viene por detrás del diploma. Tienes el diploma con tu nombre y detrás vienen todas las notas. Y cuando tú vayas a depositar tu currículum, lo primero que van a ver es la parte de atrás con la nota, tú sabes. Uh-huh. Así que ya sabes, cuenta conmigo. Tú me escribes. Profe, dime. Entonces... Prepara el tema y me manda el link. ¿El link de qué? Para la reunión. Ah, ¿de nosotros? Ajá. Ah, ok. No, tú me dices, este día yo puedo, yo no puedo, y nos organizamos en la semana. Y tú me dices que tú quieres trabajar, qué punto de gramática o técnicas para la nota. Y yo me preparo un poquito y después nos juntamos. Pero tú me dices, tú me escribes, profe, yo puedo tal día. Y yo te digo, ¿de acuerdo? Ok, pues está bien. Y si tú puedes, María, venir con algún compañero o colega de ahí para allá donde tú vives o de la clase, para que en vez de ser tú, pueda haber 3-4 personas o tú sola, como tú prefieras. Eres tú la que me está ayudando en eso. Okay. Pues cuento contigo, María, y para adelante, ¿eh? Ok, bye bye. Cuídate, buen provecho. Bye, gracias.